Cet ensemble comprend un golf, donc un parcours 18 trous, un compact 6 trous et tout un ensemble d'hébergements dans lequel nous pouvons assurer des événements et donc beaucoup de joie et de détente pour tout le monde. Ici, nous avons un climat relativement tempéré, donc beaucoup de verdure, beaucoup de végétation qui attire justement une certaine clientèle de l'Europe entière, également très régionale, à 80 km à la ronde, quasiment l'ensemble des golfs de Pays de Loire, débordant sur les départements de la Mayenne et de la Sarthe. Donc c'est un ensemble qui est très actif au niveau des échanges golfiques et touristiques. Ma priorité quand je suis arrivé, c'était de redynamiser l'école de golf. Il y avait 4 enfants inscrits, aujourd'hui il y en a une trentaine. Des enfants âgés de 3 ans et demi jusqu'à 17 ans. Et c'est toujours un réel plaisir le mercredi et le samedi de leur transmettre ma passion et de passer toujours un agréable moment avec eux. Sont très très protégés par des bunkers, surtout aussi par les forêts. À tous les trous, il y a des arbres et on a 6-7 trous qui sont aussi avec de l'eau. Le trou signature, c'est le numéro 13. Ça, c'est un trou qui est assez long et en plein milieu, on a 3 arbres qui vraiment bloquent l'entrée du green. Notre trou numéro 17, c'est un par 5 qui n'est pas très long, on peut attaquer en 2. Par contre, si vous ratez votre deuxième coup un peu trop à droite, vous tombez dans une bunker qui est assez haut et assez difficile à sortir. On a créé une ambiance très bien ici avec beaucoup de membres. On fait des compètes régulièrement ici. Le parcours est idéal pour des seniors parce qu'il n'est pas très vallonné. Les gens aiment bien surtout le restaurant aussi après leur petit party.